Salut. Bienvenue sur notre chaîne. Le vinaigre de cidre regorge d'avantages et de bienfaits pour la santé, ce n'est désormais plus un secret. Perte de poids, réduction du mauvais cholestérol, baisse de la glycémie, amélioration de la santé cardiovasculaire, etc. Fabriqué à base de pommes, qu'on a laissé fermenter, cet élixir est incontestablement un bain de jouvence pour votre organisme. Riche en enzymes et en probiotiques, le vinaigre de cidre est fabriqué en plusieurs étapes. Dans un premier temps, le sucre est dilué dans de l'eau filtrée puis versé sur des pommes grossièrement coupées. On laisse reposer le mélange à température ambiante pendant environ 1 à 2 semaines, début l'apparaissent à mesure que le sucre se transforme en alcool. On égoutte ensuite les pommes et on laisse reposer de nouveau le liquide à température ambiante pendant 3 à 4 semaines. C'est à ce moment-là que l'alcool se transforme en vinaigre grâce aux bactéries de l'acide acétique, c'est d'ailleurs ce qui lui confère son acidité légendaire et ses nombreux bienfaits. Voici 8 raisons pour lesquelles vous devriez en boire tous les soirs avant d'aller vous coucher. 1. Le vinaigre de cidre est un puissant désinfectant. Le vinaigre de cidre permet de neutraliser les agents pathogènes, notamment les bactéries. En plus de le boire tous les soirs, vous pouvez également l'utiliser comme agent de conservation, car il empêche les microbes et bactéries d'altérer les aliments. 2. Le vinaigre de cidre prévient le diabète de type 2. Le vinaigre de cidre aide à réduire la glycémie des personnes atteintes de diabète de type 2. Néanmoins, même si vous ne souffrez pas de diabète, vous pouvez toujours profiter de ses avantages, car il vous permettra d'équilibrer le taux de glucose dans votre sang. 3. Le vinaigre de cidre est riche en acide acétique. Grâce à l'acide acétique, le vinaigre de cidre permettrait de contrôler la pression artérielle et d'éviter l'accumulation des graisses dans les artères. L'acide acétique contient des bactéries bénéfiques résultant du processus de fermentation. À savoir qu'il est généralement filtré par plusieurs fabricants, assurez-vous donc de vous procurer du vinaigre bio et non filtré. 4. Le vinaigre de cidre réduit la glycémie postprandiale. La glycémie postprandiale se rapporte au taux de glucides élevés qui surviennent après un repas riche en sucre, c'est ce qui provoque généralement le passage du prédiabète au diabète de type 2. 5. Le vinaigre de cidre permet de lutter contre le cancer. De nombreuses études ont montré que le vinaigre de cidre permettait de réduire les risques de prolifération des cellules cancéreuses, diminuant ainsi le risque de tumeurs, notamment celles de l'œsophage et de l'estomac. 6. Le vinaigre de cidre réduit la prolifération des bactéries bucco-dentaires. Puissant antibactérien, le vinaigre de cidre permet de lutter contre les bactéries présentes dans la bouche et les gencives, éliminer les taches et blanchir l'émail de vos dents. Vous pouvez le boire ou simplement vous gargariser la bouche avec. Cependant, veillez à l'utiliser une fois par semaine maximum pour éviter d'abîmer l'émail de vos dents. 7. Le vinaigre de cidre réduit le mauvais cholestérol et le risque de maladie cardiaque. Ce sont nos facteurs biologiques qui sont principalement liés à une diminution ou une augmentation du risque de souffrir d'une maladie cardiaque. Ainsi, ces facteurs peuvent être contrôlés par la consommation de vinaigre de cidre selon des études in vivo. Elles ont montré que l'acide acétique permettait de réduire le niveau de cholestérol ainsi que d'autres facteurs de risque de maladie cardiaque. 8. Le vinaigre de cidre vous aide à perdre du poids. Le vinaigre de cidre permet en fait d'augmenter votre sensation de satiété après un repas, vous mangez par conséquent moins de calories et cela se remarque sur la balance. En outre, une étude a montré qu'une consommation quotidienne de vinaigre de cidre permettait également de perdre la graisse abdominale. Néanmoins, le vinaigre de cidre ne doit pas être consommé à forte dose, vous devez absolument le diluer dans un grand verre d'eau et ne pas dépasser l'équivalent de 2 cuillères à café par jour. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de commenter, de partager et de vous abonner pour plus de vidéos.